soir, c'est la première édition de la fête de la musique ouverte aux étudiants étrangers. Vous savez qu'ils sont 300 000 en France. Et je trouve qu'ils sont un peu invisibles aux Français. Ben là, maintenant, ils sont peut-être encore invisibles, mais ils sont audibles. Et on a voulu qu'ils viennent jouer leur musique, tous ces étudiants qui viennent du monde entier. Et ce soir, les Pakistanais ont rencontré les Azerbaïdjanais, ont rencontré un Chilien. Et ce mélange de musique formidable, c'est, je crois, un très beau message que la France adresse au monde, de solidarité, de rencontre des cultures. Et la musique, il n'y a pas mieux pour rapprocher des générations qui sont nées sur les cinq continents. Famous song famous. Of our country, everyone knows that song. It's called Dil Dil, Dil Pakistan. Everyone on 14th of August sings like in whole country, everyone playing, all over Pakistan, singing that song. So we are really happy to perform here and represent our country. On behalf of Pakistan, we are representing Pakistan. Très très bien de jouer en fait aujourd'hui à Campus France parce que justement là il y a beaucoup d'étudiants de partout, donc c'est vraiment un échange parce que ce soir il y aura non seulement de la musique classique mais il y aura aussi la musique pakistanaise comme j'ai vu, en fait la musique de Chili, donc c'est une très très bonne opportunité de découvrir et de partager la musique. From Japan. We studied here and we gathered yesterday for rehearsal, spent some nice time together. And the other thing is that it's also an opportunity to present our national music. I told already about Schubert, but that's not the central thing in our program because we're also going to play a lot of Russian music from very different composers, from Rachmaninoff to Prokofiev. And I'm also excited to see that people other people performing tonight are also performing their national music. Façon de montrer la musique de la Latinoamérique, que c'est différent à la musique française ou européenne ou de tout le monde. Tampoco Manuel. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo la fábrica. Et voilà, je trouve que c'est un événement splendide où nous, en tant qu'étrangers, on peut s'exprimer et faire une sorte d'échange, de présenter ce qu'on a, d'enrichir la culture locale et en même temps d'échanger. Sous-estime la valeur des événements culturels pour créer le lien entre les étudiants, pour permettre un certain épanouissement, une rencontre autour de choses qui sont passionnantes autres que les études, et que encourager ce type de rencontre favorise en effet l'épanouissement des étudiants étrangers qui sont chez nous et favorise aussi les véritables rencontres. Je pense que ce serait sympathique, plus sympathique encore, de pouvoir partager à d'autres occasions aussi.